Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Aventure. Alors on se retrouve aujourd'hui à la page principale de Minecraft pour l'unique et bonne raison que j'ai changé de microprocesseur et de carte mère et que forcément après l'installation il a fallu formater le PC. Et j'ai malheureusement oublié de récupérer mes sauvegardes des maps de Minecraft, donc j'ai perdu ma map de Minecraft Aventure, mais aussi mes maps de Minecraft Art. Donc on va être obligé de tout recommencer à zéro, mais c'est les seules maps que j'ai, les seules sauvegardes que j'ai perdues, hein. J'ai quand même récupéré les sauvegardes de Dead Island et de Borderlands 2. Donc ça, on pourra continuer comme là où on en était. Donc bah on va tout recommencer. Hein. Donc hop, single player, on va créer une nouvelle map. Donc Minecraft. Ouais. Aventure. Donc j'ai toujours considéré qu'on est dans la saison 1. Alors. Donc ça on laisse. La carte on remet en custom pour pouvoir remettre les nombres de donjons à fond. Donc hop down. Alors j'hésite à me mettre en hardcore en fait. Ce qui rajouterait un peu de difficulté et un peu plus de risque. Oui, allez, on va se mettre en hardcore, c'est parti. Donc oui, donc on va tout reprendre à zéro. On va faire comme si les premiers épisodes n'étaient pas apparus. Donc déjà, je remarque qu'on spawn à côté d'un village, donc on va y aller tout de suite. Pas mal de terrain praticable. Un désert à côté. On a des cochons, bon je préférerais des vaches ou des moutons personnellement. En plus c'est super, il y a une forge. Avec deux diamants, non mais... Alors là, ça s'appelle de la chance. Ok. Donc là. Ici il n'y aura rien. Je pourrais encore récupérer un peu. Ah! Ça c'est intéressant. Et de l'or, ok. Toi viens là. Du charbon et un casque, ok. C'est intéressant. Le blé, des patates et des carottes. Contre du pain, ouais. Alors leurs trades sont pas mal mais seulement dans un sens en fait. Donc alors, la musique est forte. Pourtant, je l'avais déjà baissé. Voilà. Par contre, oui, il n'y a pas de champ. Ça, c'est un peu dommage. Bon, je vais pas me plaindre. Hein. Après ce que j'ai eu, quand même. Bon, on va récupérer le coffre. Et on va essayer de récupérer les fours aussi. Par contre, j'ai entendu un squelette. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu aussi. Ça veut dire qu'il y a une grotte pas loin. Et vu le nombre de spawners que j'ai mis, hein, ça peut fortement être un spawner. J'hésite à m'éloigner ou pas du village. Parce que là, la grande plaine, là, elle est vachement intéressante, je trouve. Pour faire notre maison. Parce qu'entre la savane qui est là, le désert ici, le village et puis ici, ça serait un très bon endroit en fait. Donc je vois pas pourquoi je partirais beaucoup plus loin. Si, pour les animaux par contre. On n'aurait pas de bouffe. Donc là on a un lapin. Avec un petit à côté.
Ouais, c'est franchement beaucoup trop juste pour... Pour pouvoir rester quand même en question de bouffe. Là, j'ai une pomme, mais... oui, je vais chercher du bois pour faire des pioches. C'est ça que je voulais faire. Pour récupérer les deux fours. Allez. La nourriture commence déjà à descendre, donc on va même ouais, on va creuser directement dans le village histoire de ramasser la pierre. Hop. Il me manque une planche. Voilà. Et hop, c'est bon. Donc on récupère ça. On va récupérer ça aussi. Non, parce que... Voilà, je vais faire tout de suite. Et... Mon épée. Puis quelques outils aussi. Voilà. Oh, purée. Et bah voilà. Tac. Une épée. Histoire de pouvoir manger en tuant les cochons qui sont à côté. Et il manque une pierre pour faire une hache. Voilà. On récupère ça et c'est parti. Alors le tout c'est de savoir de quel côté vraiment je vais partir. Donc là je pars par ici vu qu'il y a les cochons. Donc. Je pense que c'est la meilleure idée. Voilà. Par contre oui, j'ai pas de... Tout récupérer. Ouais, on va avancer par ici. Il y a l'air d'avoir pas mal de bois et toutes choses qu'on aurait besoin. Par contre, oui, ça commençait déjà à être l'horreur question nourriture. Du mouton. Ah, c'est bien ça. On va pouvoir commencer déjà. Ah, une flower forest. C'est ça, normalement. Ah non, c'est toujours de la plaine, mais... Alors, les trois moutons. Allez, pour la nourriture. Je trouve personnellement que le mouton est quand même un des animaux les plus utiles maintenant dans Minecraft. Hein. Ils vont remplacer les vaches parce que donner de la nourriture et puis la laine pour la décoration et tout ça, c'est toujours pas mal. Alors que les vaches, le cuir, à part pour les livres, vite vite. Un seul, ça me suffit. Ouais, ça. Très dommage qu'on n'a pas de sel parce que. Avec les chevaux qu'il y a à côté là. J'aurais pas dit non. Pour aller plus vite pour voyager. Donc, oui, les vaches. Hein,
Vu qu'il donne que du cuir. On a très vite plus aucune utilité. T'es gentil, mais tu as sauté. Voilà. On récupère ça. On va attendre que ça cuise un peu. Oula, il y a du monde par ici. Ouais. Et voilà, on s'en est débarrassé. Ah, j'ai eu l'espoir de... Qu'il y avait un mince. Un donjon. Mais a priori, il n'y a rien. Enfin, on va pas se plaindre. Hop. Lui, par contre. Par contre, j'ai vu le fer. Je l'entends, mais je vois plus. Et ça, j'aime pas du tout. Ah, il est là. Aïe. Et le creeper. Voilà. Croyez. Oh, yeah. Oh, en plus, un. Ah, oh, purée, il m'a fait peur, cette chauve-souris là. Encore du fer. Ici, donc on va prendre tout le fer, on va pouvoir le faire fondre. Ok. Ici, il n'y a pas grand chose. Du charbon, on en a déjà pas loin où on est. Donc je vais pas rester ici trop longtemps. On va récupérer. Ah, il commence à faire nuit en plus. Donc ça c'est... J'aime pas être dans cette grotte alors qu'il commence à faire nuit. Ça veut dire que ça va pouvoir me tomber de partout. Ouais, il y a le squelette tout à l'heure. Ouais, là ça va être critique. Donc je vais lui faire encore ici. Ouais, voilà, lui il a spawné. Ok, bon. Oh, j'ai deux arcs, super. Vite, vite. Bon, je puisse dormir. Tant qu'il n'y a pas de créatures autour. Ça c'est fait. On récupère un peu tout, hein. Ça peut toujours être utile. Hop, on récupère la nourriture, le four. On va récupérer aussi le reste du fer. Avec un joli filon là. Hop là. Encore là-bas. Donc oui. C'est pour ça que je trouve que les vaches sont plus trop intéressantes. Hein. Parce que vu qu'il y a du fer partout dans Minecraft, le cuir en général, on prend même pas le temps de s'équiper en cuir. Parce qu'ici, il n'y a personne. Ok. Bon. Bah, c'est fait une grotte intéressante. Hein. Ouais. Bon, le cheval, lui, il m'intéresse pas. Mais oh, purée. Et oui.
Des dégâts à la con. Ah, pour moi, bouffer un peu. Ouais, non, celle-là, c'est pas utile. Ça sera en gaspillé pour rien. Alors. Ok. C'est quoi le bordel? Regarde, c'est pas possible, c'est un donjon. On va faire le max de torches. Oh putain, non, c'est pas un donjon en plus. Ils sont juste à l'avant. On va baisser leur son aussi à eux parce que là. Ça sera peut-être un peu mieux. Mais c'est pas possible, ils sont combien là? Mais. Mais sérieusement quoi, y a même pas de donjon quoi. Je sais que quand on tape les zombies, ils peuvent en faire spawner d'autres, mais à ce point-là, non. Il y a forcément quelque chose pas loin. Un donjon qui est obstrué ou quelque chose, et puis. Là. Ça a été une grande surprise, mais bon. On fait le plein de fer. Sauf que j'aime pas parce que je sens qu'il y a un zombie qui va me tomber sur le coin de la figure. Ils sont où là? Ah bah si, y a un donjon, j'avais pas vu celui-là. Ah ah. Effectivement, il y a un donjon en face. Et j'ai vu aussi un squelette, donc. Est-ce que. Bon, déjà je vais faire fusionner ces deux-là. Et lui il va me tomber dessus aussi. Ouais, purée. On se prend les blocs. J'ai pas de flèches. Voilà, il est tombé. Oh putain, ah, ça doit être un. Ouah, c'est pas passé dans lui. Ouais. J'aimerais bien traverser. Ouais, on va creuser. Et ils vont pouvoir monter surtout. Oh purée. Non mais sérieux les. Creuser jusqu'au spawner. Ouais, je suis un peu. Faut que je me décale dehors encore. Même des deux parce qu'après, ça sent. Voilà, ici on va être tranquille.
on en a encore moins a priori. Quoique plus tant que ça après. Voilà, déjà on l'a arrêté lui. Super, il y a les deux autres qui sont en train de se taper dessus. Et une pomme en or, du pain. Du pain, un seau de la gunpowder. Alors le CD. J'adore toujours les prendre. Alors le... What? Comment ça il a spawné ici lui? On va tout éclairer parce que là ça va pas le faire. Alors le truc c'est, est-ce qu'on va le garder pour l'utiliser? Pourquoi pas. J'ai tué le squelette en dessous et puis hein, j'essaie de m'en servir un petit peu. Histoire de pouvoir gagner déjà quelques flèches. De façon totalement gratuite. Donc. On va récupérer le coffre. Alors oui, là ça sera absolument pas optimisé, hein. Je le dis tout de suite. Donc ils arriveront ici. Ok, on éteint et voilà, ça a spawné. Et ici, on le tue. Voilà, ça commence, hein, c'est déjà pas mal. Normalement, je crois que j'ai eu un autre arc. Non, juste de là. Par contre, je suis peut-être un peu proche pour faire spawner. Allez, une petite dose de flèche et puis ça sera bon. Voilà. Ok, j'ai 9 flèches. J'ai un arc. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et puis, de toute façon, il commence à faire nuit. Donc là, le spawner va moins bien marcher. Donc autant, on se couche. Et on va s'arrêter là pour cette semaine. Donc pour le deuxième épisode de cette... on va dire de saison 1.5 de Minecraft Aventure. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.